Salut, salut! Aujourd'hui, on va réaliser une robe droite avec un très grand long colvé. Vous aurez besoin d'un tissu de 1,50 m, d'une doublure de 1 m, d'une robe, de ciseaux et de fermeture éclair. On plie notre tissu en deux et on pose notre robe. On va prendre 5 cm de marge jusqu'à ce que le tissu n'est pas élastane. On replie les deux tissus, on va venir faire le col. Moi j'ai décidé de faire un col V, j'ai pris 20 cm au début et j'ai remarqué que le col n'était pas aussi long que je le voulais, du coup j'ai rajouté 10 cm de plus. Ensuite, on va réaliser la parementure en prenant 1 cm de marge lorsque vous allez couper et faites la même chose pour le deuxième tissu. Quand vous avez fini, on va assembler les deux morceaux endroit contre endroit. On va faire des petites coupures tout au long de la couture sans couper le fil, bien sûr. Ça va être plus simple pour le retourner. On va assembler les deux morceaux de notre robe en laissant un côté qu'on va coudre après parce que c'est là qu'on va poser la fermeture éclair. Et comme d'habitude, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour poser la fermeture éclair et n'oubliez pas de fermer le deuxième côté. Pour finir, on va faire les ourlets.